Oh, oh, yeah. Et moi, du coup, j'ai pris celui aux légumes. Bon, du coup, le... Ah, c'est chaud. Coucou, ohayo, et bienvenue sur Caroline in Wonderland. Donc aujourd'hui, j'ai une copine de Corée qui est sur Tokyo pour 3 jours. Donc du coup, je vais la rejoindre pour visiter ensemble. Et du coup, je me disais que ça pouvait être intéressant de filmer un petit peu nos visites, de faire un petit vlog. Donc du coup, voilà, je vais essayer de vlogger ces 3 jours. Alors bon, je vous avoue qu'on y va un petit peu au feeling, au talent. Donc je sais pas exactement ce qui va se passer dans cette vidéo. Et je sais pas exactement où on va aller. On va peut-être certainement sortir de Tokyo. Mais du coup, voilà, ça sera un petit peu un vlog improvisé. Je pense faire des vlogs un petit peu plus préparés, un peu plus instructifs sur Tokyo et certains endroits dans le Kanto. Plus tard, une fois que je me serai un petit peu plus familiarisée avec Tokyo et le Kanto. Mais pour l'instant, du coup, ce sera plutôt des vlogs un petit peu improvisés. Et bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, enchantée, je m'appelle Caroline et en ce moment, je suis au Japon. Et du coup, sur cette chaîne, je pense faire des vidéos sur un petit peu tout ce qui touche à ma vie au Japon. Donc, que ce soit des vlogs, des vidéos sur la culture, sur l'histoire japonaise peut-être aussi, et aussi des vidéos un petit peu plus pratiques. Donc du coup, si vous pensez que ça peut vous intéresser, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et éventuellement à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Mais bon, je suis déjà en retard, donc du coup, je vais partir assez rapidement pour ne pas louper mon bus. Donc on se retrouve tout de suite pour la première partie de mon vlog à Tokyo. Bye! Alors après à peu près 2 heures de transport, je vais arriver à ma destination. Donc je suis maintenant au sauf que pour l'instant je suis en train de chercher ma pote. Elle m'a dit qu'elle était au Miffy Store, le problème c'est que en fait, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Le bâtiment et du coup je suis en train d'essayer de la trouver. Voilà. Il y a un magasin Snoopy aussi. Et le Miffy Store est juste à côté. Bon, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, du coup, on a décidé de pas monter à l'intérieur parce que les tickets étaient super chers. C'était plus de 2000 yens juste pour un étage. Et les tickets complets où on peut monter juste en haut, c'était pas loin de 4000 yens, je crois. Bon, du coup, maintenant... Donc oui... J'ai retrouvé Zoé et bonjour. Et du coup maintenant bon finalement donc on n'a pas été voir le Skytree parce que c'était beaucoup trop cher et maintenant on va se diriger vers Asakusa. On va peut-être pas aller vers le temple et le marché pour le moment parce que apparemment c'est bondé de monde mais il y a des boutiques de kimono, c'est ça? Oui. Que Zoé veut aller voir donc du coup on va aller les checker. Ça a l'air trop bon. Bon, du coup, on s'est laissé tenter par ces dingos qui sont un petit peu fancy. Généralement, ils sont pas décorés comme ça. Mais franchement, ça avait l'air trop bon. Donc voilà, on en a acheté. Franchement, c'est trop bon. Donc du coup, jusqu'à maintenant c'était un petit peu un fail. On cherchait différentes boutiques qu'on n'a pas trouvées et différents articles qu'on n'a pas trouvés non plus. Du coup, on est parti de Asakusa et là maintenant on est près de Harajuku. On est à Harajuku, donc sur la Omotesando. Et on va aller jusqu'à la Takashita Street pour voir un petit peu les boutiques qu'il y a là-bas. Et les gens aussi, la mode. Alors bon, par contre, aujourd'hui, c'est vraiment bondé de monde. Bon, alors là, on est dans la Takeshita Street, donc c'est la rue un petit peu fashion de Harajuku. Bon, du coup, on a fait une petite pause pour aller manger des sushis
dans un restaurant de sushi tournant. Alors bon, par contre, les prix sont un petit peu chers, donc je pense que ça va juste être un petit snack. Bon, du coup, on s'est fait une petite pause café parce que j'avais vraiment besoin de boire quelque chose pour me réveiller. Du coup, Zoé a pris une glace au matcha, une boisson au matcha, et moi je me suis pris un tiramisu au matcha et un café. J'aurais préféré me prendre un truc au matcha aussi, en boisson, mais bon, j'étais un petit peu trop fatiguée. Donc, du coup, on en a fini avec Harajuku. Ça me dit que Julien, le petit café. Là, on se dirige vers Shibuya. Donc, je pense qu'on va juste un peu checker les magasins, Hachiko aussi, et certainement se trouver un endroit pour dîner après. Alors, on est arrivé à Shibuya et on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a au Shibuya 109. Donc, c'est une tour où il y a plein de magasins, donc de vêtements par exemple. Ça fait super longtemps que j'y ai pas été. Ouais, ça a pas mal changé depuis la dernière fois. Avec Shibuya Ichimaruku, on a aussi un petit peu tourné dans le quartier. Ma pote, vu qu'elle est venue avec le bus de nuit, elle commençait vraiment à fatiguer. Moi aussi un petit peu, parce que j'ai pas très bien dormi ces dernières nuits. Enfin, j'ai pas dormi beaucoup surtout. Du coup, on a décidé de s'arrêter ici pour aujourd'hui. En plus, on n'avait pas forcément faim pour le dîner. Du coup, voilà, on a décidé de se séparer. Donc là, je me redirige vers la station. Mais en tout cas, Shibuya Ichimaruku, je suis assez surprise parce que j'y avais pas été depuis très longtemps. Je pense que la dernière fois que j'y étais, c'était peut-être en 2014, donc il y a une dizaine d'années. Et en fait, à l'époque, c'était très cheap. C'était vraiment des boutiques qui visaient les adolescentes, on va dire, donc avec des habits de pas forcément de la très bonne qualité, mais par contre pas cher. Et les tailles, c'était des tailles uniques et elles étaient vraiment toutes petites. Alors que je trouve que maintenant c'est très différent. Il y a des magasins qui sont encore pas trop chers, mais il y en a qui sont beaucoup plus chers, pas loin de 10 000 yens, voire même plus. Les tailles sont plus grandes par contre, et c'est des vêtements de bonne qualité et qui pourraient me plaire. Bon, du coup, je me suis coupée en plein milieu d'une phrase parce que j'ai remarqué que quelqu'un me regardait, et vu que c'est encore un petit peu awkward pour moi de filmer en public, j'avais un petit peu honte et du coup j'ai arrêté. Et après, bon, j'étais arrivée à la station, donc du coup maintenant je suis chez moi. Mais en gros, je disais que aussi l'atmosphère de Shibuya Ichimaruku, c'est très différent de la dernière fois où j'y étais, en tout cas de la première fois, je sais plus, et je crois que la deuxième fois c'était pareil aussi. Mais la toute première fois où j'y étais, je me rappelle que c'était un plus sombre, il me semble. Il y avait aussi la musique qui était très forte. En fait, chaque magasin avait une musique différente. Et en fait, quand on tournait entre les magasins, on passait vraiment d'une musique à l'autre. C'était assez bizarre. Il me semble qu'il y avait aussi des parfums, je sais plus trop, mais en tout cas, c'était pas du tout la même atmosphère. Là, maintenant, c'est lumineux, ça fait très net. Du coup, voilà, je suis plutôt agréablement surprise. C'est vraiment des endroits où je pourrais aller, même si, bon, pour l'instant, c'est un petit peu cher. C'est pas tout à fait dans mon budget, vu que j'ai pas encore de travail. Et bon, de toute façon, j'ai pas l'intention d'acheter. Si après je dois revenir en France et me trimballer tout, enfin plein de nouveaux vêtements, ça va pas trop marcher. Mais du coup, voilà, bilan de la journée. Bon, c'était un petit peu court, on a fait moins de choses que prévu parce que ma pote était fatiguée, j'étais aussi un petit peu fatiguée aussi. Voilà, c'est vrai qu'on a plus tourné qu'autre chose. C'était un peu une découverte des paysages de Tokyo, on va dire. Je pense que je reviendrai plus à ces endroits par moi-même pour découvrir un petit peu plus et vous faire quand même des vidéos dessus par la suite. Mais du coup, voilà, c'était quand même une journée sympa. Je pense que demain on sera beaucoup plus active et demain on prévoit d'aller à Yokohama. C'est aussi plus sympa en fait parce que je pense qu'il y aura moins de foule. Aujourd'hui c'était un lundi mais c'était un jour férié, donc du coup c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de monde, surtout que voilà, Tokyo c'est quand même assez peuplé, il y a beaucoup de touristes aussi. Donc je pense que demain ce sera un petit peu plus facile de se promener, de faire plus de choses, on sera peut-être plus en forme aussi et aussi de filmer.
Coucou, alors on est le lendemain et je suis maintenant à Yokohama. Alors bon, désolée, j'ai pas pensé à faire d'intro ce matin parce que j'ai eu un problème avec mon compte en banque en Corée que j'ai fermé il y a plus d'un mois. Je sais toujours pas comment ça va se régler. Je ferai certainement une vidéo là-dessus parce que ça peut être assez instructif une fois que ce sera réglé évidemment. Mais du coup voilà, je suis maintenant à Yokohama, je suis à Minatomirai. Et j'ai planifié de rencontrer Zoé près du bateau, donc le Nippon Maru. J'y suis maintenant. Donc voilà, je pense que je vais l'attendre là. Et ce sera parti pour la visite de Yokohama. Donc juste pour que vous voyez un petit peu mieux, donc ça c'est donc le Nippon Maru. Et c'est un ancien navire école de la marine marchande japonaise. Et aujourd'hui, c'est un musée donc qu'on peut visiter. Du coup voilà, bon là j'attends ma pote, je sais pas trop si on va aller à l'intérieur du bateau, si elle est intéressée, moi j'ai déjà visité de toute façon. Mais en tout cas, voilà, c'est notre point de départ à Yokohama. C'est joli la vie aussi ici. Bon, du coup, j'ai retrouvé Zoé. Et bon, on n'a pas été visiter le Nippon Maru civilement parce qu'il était fermé. Mais du coup on a un petit peu perdu autour et là on va aller aux maisons en briques rouges qui sont plutôt sympas. Il y a plein de petits cafés dedans aussi d'après mes souvenirs. Bon du coup on est arrivé aux maisons en briques rouges. Je pense qu'on va un petit peu checker l'intérieur et après se balader à côté. Normalement, la vue est un peu plus jolie que maintenant, mais il y a encore les restes du festival de la bière qui avait lieu jusqu'à hier. Bon. Du coup, on s'est pris un petit truc à manger dans un café. Donc Zoé s'est pris un sandwich. Moi, je me suis juste pris un hojicha, donc du matcha roasted. Je me suis pris une tarte à la pomme à la citrouille. On s'est posé un petit peu plus près du port et je vais goûter un petit peu ma petite tarte à la pomme. Goûtons. Ça ressemble à ça. Franchement c'est bon. On sent bien la pomme et puis la citrouille aussi. Donc c'est validé. Oh yeah. Oh, that's funny. Like, how is it like? It's okay. I don't think I can see it. Oh, there it is. Oh. So close. Oh. Oh. Yeah. Like, I'm wondering if I. Like, is someone fishing somewhere or something? Like, it's kind of weird how it's like. No, but there's like, I think they're called like flying fish. Oh, which okay. Out of the water. I didn't know they were here. Yeah, I didn't know either. Les bâtiments de briques vus d'ici. Et à côté, donc il y a un bateau de croisière. Donc Yokohama, vu que c'est une ville portuaire, il y a beaucoup de bateaux de croisière qui s'arrêtent ici. J'en ai vu un déjà il y a 2 jours, je ne sais pas si c'était le même, donc qui reste à long terme ou si c'en est un autre du coup. Et en fait, juste à côté, vous avez le terminal justement de bateaux internationaux. Bon, du coup là, on a continué notre périple vers le Yamashita Koen. Ok, bon du coup là on s'approche de Chinatown. Tu as pris quoi? The minced corn. La viande. Oh.
Et moi, du coup, j'ai pris celui aux légumes. Bon, du coup, le... Ah, c'est chaud! Bon, ils sont malheureux tous les deux, apparemment. Le purée, ça, c'est super chaud, ça brûle les doigts. Bon, du coup, le quartier chinois, c'était bien. Et maintenant, on se dirige vers un quartier, le quartier de Nogué, qui a plein de petits izakaya et de petits bars. Hein. Donc, pour les dîners. Bon, on arrive dans le quartier. Bon, là, c'est encore le début, donc il n'y a pas encore beaucoup de choses. Bon, par contre, il est encore un petit peu tôt, donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu mort par rapport à d'habitude. Bon, du coup, on voulait aller dans un petit café que j'aime pour le dessert, enfin un bar qui fait des desserts. Sauf qu'il est fermé aujourd'hui, donc du coup, on a décidé d'aller à la gare de Yokohama. Parce que y a pas mal de centres commerciaux ici et donc pas mal d'endroits pour manger des desserts. Du coup voilà, maintenant c'est mission trouver un salon de thé ou quelque chose comme ça pour manger un petit truc sucré. Bon, après avoir tourné pendant un moment pour trouver un dessert, je me suis rappelé qu'il y avait un café avec des parfaits, ouais, du thé au matcha, au hojicha. Et du coup, on va essayer de le retrouver. Je pense qu'on est dans le bon bâtiment pour le moment. We are here. Alors c'est la moitié de 3 jours plus tard, je me suis rendu compte en montant cette vidéo que j'avais complètement oublié de filmer une outro, donc me revoilà. Bon du coup comme je vous l'avais dit, ma pote était là pour 3 jours, sauf que finalement le jour suivant, il y avait des endroits qu'elle avait envie de visiter en dehors de Tokyo, et moi, vu que j'avais ce problème avec la banque que je voulais régler rapidement, je suis plutôt restée chez moi pour tout régler. Voilà, bon, pour ceux que ça intéresse, je planifie de faire une vidéo vraiment là-dessus, donc je vais pas rentrer dans les détails ici. Bon, du coup finalement c'est réglé, mais ça fait que finalement je suis restée chez moi le 3e jour. Bon du coup voilà, c'était un petit peu une vidéo impro. Comme dit, je planifie de revenir avec vraiment des vlogs, mais recherchés sur les différents quartiers de Tokyo ou les environs, donc par exemple Yokohama, où je vous expliquerai un petit peu plus en détail l'histoire et les lieux intéressants où aller, une fois que j'aurai un petit peu plus eu le temps de découvrir ces différents quartiers. Mais du coup voilà, ces 2 jours c'était plutôt sympa. Ça m'a permis de redécouvrir certains quartiers de Tokyo et aussi Yokohama. J'étais assez surprise par Shibuya parce que dans mon souvenir en fait c'était pas forcément un quartier qui m'intéressait de ouf, enfin bon, c'était un quartier où j'allais de temps en temps, mais c'est vrai que pour moi c'était un quartier bon, où il y avait beaucoup de monde, évidemment où il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment des endroits que j'appréciais particulièrement. Et en fait en me baladant là-bas j'ai été surprise de me rendre compte que il y avait quand même des endroits sympas, donc par exemple Shibuya Ichimaru-kyū, donc Shibuya 109, c'est très différent de dans mon souvenir, c'est vraiment un endroit où j'ai envie de retourner, surtout si je trouve un travail pour acheter plein de vêtements. Je me rappelais pas aussi qu'il y avait tellement de petites rues, en fait je me rappelais vraiment du gros carrefour, des grandes rues et tout ça, mais c'est vrai que si on va un petit peu dans les petites ruelles ou dans les petites rues, il y a vraiment des restos sympas et bon, même s'il y a du monde, c'est pas non plus surpeuplé. Alors bon, par contre Asakusa et Harajuku, je suis toujours pas très fan. Alors bon, après ça n'aide certainement pas qu'on y soit allé un jour férié, en plus un long week-end, il y avait certainement plus de touristes que d'habitude. Mais c'est vrai que voilà, la foule, il y avait beaucoup trop de foule pour moi. Même si j'ai bien aimé le café spécialisé en matcha où on a été à Harajuku, je pense que j'y retournerai, mais il me semble que c'est une chaîne, donc je crois pas que ce soit juste à Harajuku, donc voilà, j'essaierai peut-être autre part, une autre fois. Et c'est vrai que Harajuku, j'étais un petit peu déçue parce que bon, certes, il y a beaucoup de boutiques de mode, mais c'est vrai que j'avais vu sur internet que si on y va, surtout les week-ends, on peut voir des gens aussi, donc habillés vraiment avec une mode un petit peu à
la Harajuku, donc une mode un petit peu particulière. Et c'est vrai que j'ai pas tellement vu ça, en fait, c'était beaucoup des touristes. Voilà, j'essaierai peut-être une autre fois, peut-être que finalement, les jours de semaine, c'est mieux. Et bon, Yokohama, vu que j'y étais déjà plusieurs fois depuis que je suis revenue ici, c'est un petit peu moins une redécouverte, je connais un petit peu mieux. Mais bon, ça m'a permis un petit peu de confirmer que j'aime vraiment bien cette ville, c'est vraiment plus relax que Tokyo. J'aime bien les villes portuaires de toute façon, de manière générale. J'aime aussi beaucoup Nagasaki au Japon. Voilà, j'aime bien l'ambiance, c'est beaucoup plus relax que Tokyo. J'aime bien les bâtiments en briques rouges aussi, avec les petits cafés, les petites boutiques à l'intérieur. J'adore Nogé avec ses petits bars et ses izakaya. Voilà, je pense qu'une vidéo sur Yokohama risque d'arriver bientôt. Alors pas tout de suite, mais peut-être le mois prochain ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que j'y vais plus souvent, donc je connais déjà un petit peu mieux. Mais bref, je pense que je vais conclure la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, même si c'était un petit peu de l'impro. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi que j'ai pris la résolution d'essayer au maximum de poster tous les jeudis à 14h, heure de France. Alors bon, cette semaine, c'est un petit peu un fail, parce que bon, on est déjà vendredi, donc je pense que je vais la poster aujourd'hui à 14h, mais disons que dans la mesure du possible, je vais essayer de poster tous les jeudis à 14h. Il se peut que de temps en temps la vidéo soit un petit peu en retard, donc elle arrive plutôt le vendredi, ou que si vraiment je suis trop occupée, je ne poste pas de vidéo pendant une semaine, mais en tout cas, voilà, c'est ma résolution. Attendez-vous à des vidéos tous les jeudis à 14h. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou des suggestions pour une prochaine vidéo. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je vais vous mettre le nom de mes comptes en barre d'infos et aussi à la fin de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Matane !